Salut Pierre, ça Salut va? Hélène. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ouais. Viens. Entre. Alors, t'as fait mon voyage? Ouais, pas de problème, ouais. J'ai préparé du café, t'en veux? Avec plaisir. Bon. Alors dis donc, il aura fallu que notre frère tombe malade pour que tu viennes nous voir. Ouais, je sais, mais enfin... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Tu sais, la grève de moelle, c'est une longue histoire. Je sais pas si j'aurais eu ton courage. Enfin, je veux dire, si moi j'avais été compatible... Toi, t'as pas hésité une seconde. Tu l'aurais sans doute fait, toi aussi. Et personne ne t'en aurait voulu si tu avais décidé de ne pas le faire. Chacun réagit comme il peut. Puis de toute façon, il y a d'autres solutions, comme le don anonyme. Bon, allez, viens. On va se mettre à l'aise au salon. Alors, il va comment? J'ai envie d'y aller, puis en même temps, enfin, tu sais ce que c'est, quoi, j'ai peur de craquer. C'est vrai que c'est un peu impressionnant de le voir en chambre stérile. Mais bon, faut se dire que tout ça, c'est pour lui donner toutes les chances de guérir. Tu vas me trouver bête, mais c'est quoi la moelle exactement? C'est comme la samoelle? C'est vrai que pour réparer tes voitures, t'as pas besoin de connaître la biologie. Remarque, heureusement pour moi, le docteur Harvis m'a bien tout expliqué. Alors, faut pas confondre avec la moelle épinière. La moelle osseuse, c'est ce qu'on a à l'intérieur des os. Elle contient des cellules souches qui sont à l'origine de nos globules rouges, de nos globules blancs et nos plaquettes. J'ai quand même quelques souvenirs de l'école. Mm-hmm. Les globules rouges, ça transporte l'oxygène, c'est ce qui nous permet de respirer. Les blancs, les globules blancs, ça nous défend contre les infections, mais les plaquettes, c'est quoi? C'est ce qui permet au sang de coaguler. Ça empêche les hémorragies. Ouais. Donc la moelle, c'est essentiel à la vie. Tu comprends donc pourquoi il est si important de remplacer celle d'Antoine, parce que elle ne se contente pas seulement de ne plus fabriquer de bonnes cellules, mais elle fabrique des cellules malades à la place. Ah bah je suis content de te voir. Il paraît que t'es venu en train. C'est une première ça. T'as réussi à te débrouiller? Dis donc, t'as grandi mais t'as pas changé toi. Hein. Antoine va être drôlement content de te voir, tu sais. Maman t'a raconté? On était en train d'en parler justement. Il paraît que t'étais pas compatible. Pourquoi maman et pas toi? Bonne question. Bon, je vais essayer de faire simple. Alors, dans notre corps, il y a ce qui est bien à nous, comme le cœur, l'estomac, le sang. Et puis, il y a aussi parfois des corps étrangers, comme les virus ou les bactéries, dont on essaie de se débarrasser, c'est ce qui nous rend malade. Bien entendu, notre organisme n'aime pas les corps étrangers, et quand on greffe de la moelle, c'est un peu comme si on apportait un corps étranger. Et donc, on va tout faire pour le rejeter. Par contre, si la moelle que l'on reçoit est bien identique à la nôtre, bien dans ce cas-là... Notre corps va les confondre et là, tout ira bien. Mais comment on sait qu'elle est identique? Par une simple analyse de sang. Toutes nos cellules ont à leur surface une espèce de marquage qu'on appelle HLA. C'est un peu comme si elles avaient une carte d'identité. C'est parmi les frères et sœurs qu'on a le plus de chances de trouver quelqu'un qui ait le marquage le plus proche. Et Antoine et moi, on avait une compatibilité HLA, c'était pas le cas de Pierre. Le plus proche, pas pareil. Le plus proche, oui. Parce qu'il n'y a que les vrais jumeaux qui ont une compatibilité HLA totale. Mais dis-moi, cette grève, ça se passe comment? Il a d'abord fallu vérifier qu'Antoine, en dehors de sa maladie, n'avait pas de problème aux poumons, au cœur, au foie, aux reins, aux dents. Les médecins lui ont donc prescrit tout un tas d'examens, comme des scanners, des radiographies, des analyses de sang. Le dentiste a même dû vérifier qu'il n'avait pas de problème dentaire. Et d'ailleurs, il pouvait seulement soigner les dents. Il n'avait pas le droit de les arracher. Il paraît que c'est défendu avant une greffe. Enfin, en tout cas, c'est seulement quand le médecin reçoit tous les examens, environ 15 jours avant la greffe, qu'il peut décider si elle peut avoir lieu ou pas. Et s'il y avait eu un problème? Il aurait fallu le régler et reculer la date de la greffe. Tu comprends bien qu'une greffe de moelle, c'est pas quelque chose d'anodin et donc il faut mettre toutes les chances de son côté.
Mais t'avais dit que c'était comme une transfusion de sang. Oui, ça y ressemble. Mais c'est pas comme quand on transplante un organe, on n'a pas besoin d'ouvrir le corps. En réalité, ça n'a rien à voir avec une transfusion parce que c'est pas réalisé ni dans les mêmes conditions, ni pour les mêmes raisons. Si tu veux, la greffe de moelle, c'est juste une partie du traitement. Avant qu'elle ait lieu, les médecins ont dû conditionner Antoine. Le conditionner? Le conditionner, oui. C'est-à-dire le préparer à recevoir sa greffe. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que j'avais pu être son donneur parce que j'étais compatible. Mais attention, je ne le suis pas à 100%, et donc il y a un risque pour qu'il rejette ma moelle. Et c'est pour l'éviter qu'il faut le débarrasser des cellules malades. Et pour cela, eh bien, il a reçu une chimiothérapie et une radiothérapie. Tous les malades n'ont pas besoin d'une radiothérapie qui a pour objectif de débusquer les mauvaises cellules qui se sont nichées dans les sites profonds. Avant son hospitalisation, Antoine est allé dans un centre spécialisé où ont été marquées et repérées les parties de son corps qui doivent subir la radiothérapie. Le conditionnement a lieu dans les 15 jours qui précèdent la greffe. L'inconvénient de la chimio, c'est qu'elle s'attaque aussi aux bonnes cellules. Et donc, l'organisme perd ses moyens de défense. C'est ce que les médecins appellent l'aplasie médulaire. Et c'est pour protéger Antoine qui, de ce fait, est devenu très fragile face aux infections, qu'il est dans une chambre stérile, isolée du monde extérieur. Et cela tant que la nouvelle moelle ne sera pas capable de fabriquer de bonnes cellules. Et pendant combien de temps il va rester dans sa chambre stérile? Environ 3 à 6 semaines. Oh, 3 à 6 semaines? C'est énorme! Il va s'ennuyer. Oui, c'est vrai que c'est pas une période facile, mais bon, tout est fait pour que ça se passe au mieux. La chambre est équipée d'une télévision, d'un lecteur de DVD, d'un accès à Internet. Bon, les visites sont limitées et tu peux pas t'en approcher, mais par contre, tu peux lui téléphoner tant que tu veux. C'est drôle, mais la dernière fois que j'ai vu Antoine, il avait pas l'air vraiment malade, mais là, ça me fait un peu peur. Le problème, c'est qu'il est malade et que c'est le moyen le plus efficace pour le guérir. Et tu as raison, il est plus malade maintenant à cause des traitements. Je préfère te prévenir, Pierre. Antoine a perdu tous ses cheveux. Mais bon, rassure-toi, ça va repousser très vite. À cause de la chimio? Oui. C'est le prix à payer pour que le traitement soit efficace. Il ne se contente pas seulement d'éliminer les cellules de la moelle, il peut aussi s'attaquer à d'autres cellules, comme celles des cheveux, par exemple. Ça peut aussi lui provoquer des diarrhées, des vomissements, des maux de ventre. Déjà qu'il mange pas beaucoup, lui qui mangeait comme 4. C'est pour ça que les médecins vont sans doute le nourrir de façon artificielle pour éviter qu'il ne soit dénutri. On lui apporte directement dans son sang tous les nutriments nécessaires grâce à une perfusion. Peut-être que le médecin préférera utiliser une sonde qui est un petit tuyau très fin qui va du nez jusqu'à l'estomac. Allô? Oui, Antoine? Oui, ben justement, on parlait de toi. Ouais, oncle Pierre est arrivé, ouais. Il va venir te rendre une visite tout à l'heure. Ok, je te le passe. Salut. Allô? Pierre? Alors, comment tu vas? J'ai connu mieux. Hein. Je suis content de te voir cet après-midi, Frangin. Quand je pense que tu as quitté ta campagne pour moi... Dis-moi, j'appelle parce que j'aimerais que vous m'apportiez un livre dont j'ai vu la pub à la télé. Dis-moi, maman, quand je l'ai eu hier au téléphone, il avait une drôle de voix, comme s'il était dans le potage. On a dû lui donner un calmant, une sorte de morphine. Pourquoi? Il a de la mucite. C'est une inflammation provoquée par la radiothérapie et la chimiothérapie. Ça fait un peu comme des gros aftes. Tu sais, tu en avais quand tu étais petit. Ah oui, je me souviens, oui, quand je mangeais du gruyère. Voilà. Donc ça fait vraiment mal alors. D'où la morphine, le calmant, quoi. Et c'est lui qui décide d'en prendre quand il en ressent le besoin. Mais il peut pas avaler. Alors comment il fait pour le prendre? Est-ce qu'on lui fait une piqûre dans les fesses? Mais non, chérie. C'est dans son cathéter. Son quoi? Son cathéter. Mais c'est quoi ça encore? C'est un petit tuyau qu'on met directement dans la veine. Comme ça, on peut lui administrer tous les médicaments sans avoir besoin de repiquer à chaque fois. Apparemment, Antoine n'a pas perdu le goût de la lecture. Il veut qu'on lui achète un livre. On y va? Ok. Très bien. Dis-moi, maman, il n'y a pas un risque d'attraper le sida? Tu penses bien que toutes les précautions sont prises, et même pour les autres maladies transmissibles, comme l'hépatite. Et cela grâce à des analyses de sang.
Ah, salut. Ah. Finalement, j'ai pu me libérer pour passer la journée avec vous. Ça va? Pour une fois que tu montes à Paris. Dis donc, toi, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Je suis allée voir papa ce matin. Bon, ça va plutôt pas mal. Je me demande pourquoi on lui fait cette greffe. Le père d'un copain qui a eu exactement la même maladie que lui, il a eu que de la chimio, aujourd'hui il s'en est sorti. J'ai posé moi aussi la question et dans son cas, la chimio et la radiothérapie n'ont pas suffi. Cette greffe, c'est vraiment une chance pour lui. T'as vu comme c'est compliqué? Compliqué, je ne sais pas, mais je sais que de très très nombreux malades en ont déjà bénéficié et les médecins sont vraiment expérimentés. La greffe a lieu dans quelques jours. Pas trop nerveuse? Un peu, oui. Mais j'ai confiance. Et puis je vais pouvoir rester auprès de lui le temps que ça prendra. Et ça va durer combien de temps? Moins de 24 heures. Et après? Après, il va devoir rester encore environ 3 semaines en chambre stérile, le temps que sa moelle fabrique de nouvelles cellules et qu'elle se multiplie. Et puis ensuite, il devra rester encore 3 semaines à l'hôpital, pour y être bien surveillé. Il va être fragile un petit peu de temps. Et il aura des médicaments spéciaux pour éviter qu'il rejette la greffe. Mais attends, ça fait au moins 2 mois d'hosto, tout ça. Attends, y a un risque de rejet? Faible, mais c'est vrai qu'il existe. C'est ce que les médecins appellent le risque de la GVH, ou plus simplement, la maladie du greffon contre l'hôte. Bon, je m'explique. Quand Antoine va recevoir ma moelle, il va recevoir aussi mes lymphocytes. Et ces lymphocytes sont particulièrement efficaces pour lutter contre les cellules malades qui seraient peut-être restées malgré toutes les précautions dont on a déjà parlé. Et cela grâce à l'effet GVL. En fait, les lymphocytes qui vont venir vont reconnaître les cellules malades comme des cellules ennemies et vont donc les détruire. C'est important parce que ça permet d'éviter que la maladie ne se réinstalle. Par contre, il arrive parfois que les lymphocytes s'attaquent aussi aux bonnes cellules. Et c'est ce qu'on appelle l'effet GVH, la maladie du greffon contre l'hôte. Ça peut se passer dans les 100 jours qui suivent la greffe. Et ce sont le foie, les intestins et la peau qui se trouvent attaqués. Mais tu disais l'autre soir à papa qu'il y avait plusieurs grades de GV, je sais pas quoi. Là. GVH, oui. La maladie du greffon contre l'hôte. T'as bien entendu. Oui, ça va du grade 1 au grade 4, c'est-à-dire de plus en plus grave. Ça peut aller de rien à l'équivalent d'un simple petit coup de soleil, à de graves brûlures, ou d'un petit mal de ventre à d'importantes diarrhées. Les traitements sont adaptés à la situation et on peut aussi augmenter les doses du médicament anti-rejet. Bon, on va payer le bouquin et on y va? D'accord. Okay. Ok, on y va. Je crois que je vais passer quelques semaines avec lui quand il sortira de l'hôpital. J'ai des vacances à prendre. C'est une super idée. Tu sais, quand Antoine va sortir de l'hôpital, il faudra qu'il prenne pas mal de précautions. Lui qui adorait aller au marché, il faudra qu'il évite d'y aller. Trop de monde, trop de risques d'attraper une cochonnerie. Dans son cas, la moindre petite chose peut prendre des proportions importantes. Tu pourras plus lui faire démonter le moteur de sa voiture comme les dernières. Pourquoi pas, s'il se lave souvent les mains. Et puis, tu connais Pierre, hein? Tu sais combien les moteurs de voiture sont propres avec lui. On pourrait manger dessus. Et son chien? On a demandé au médecin et il pourrait le garder en faisant attention. Mais je préfère le prendre en pension. Vous savez à quoi je pense? Non, mais tu vas nous le dire. Il va pas avoir l'impression que t'habites son corps, Antoine. Parce que t'avoir avec lui toute la journée, j'aime mieux pas y penser. La greffe de moelle, c'est pas comme une greffe d'organes. Mais c'est vrai que ça peut perturber certaines personnes. Dans ce cas, un psychologue pourra l'aider. Et d'ailleurs, le médecin lui a proposé d'en voir un au cas où. Ouais, c'est une bonne idée. Une petite séance ou deux, ça me ferait pas de mal à moi aussi. En tout cas, vivement que ce soit qu'un mauvais souvenir. Que papa puisse reprendre ses activités comme avant. Dis-moi... Antoine m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un récemment. Il a même parlé de faire une petite sœur à Marion. Bon, il plaisantait bien sûr, mais ça peut lui poser un problème. Il pourra avoir une vie sexuelle comme tout le monde, qui sera certainement affectée par la fatigue. Par contre, s'il avait voulu avoir un autre enfant, il aurait fallu qu'il fasse un prélèvement de sperme, parce que la radiothérapie et la chimiothérapie risquent de tuer ses spermatozoïdes. Mais il n'a pas souhaité le faire. Et pour toi, cette greffe, ça va se passer comment? On a d'abord commencé à m'expliquer les risques qui sont limités à ceux de l'anesthésie générale, c'est-à-dire très faibles. Sinon, le prélèvement aura lieu dans un bloc opératoire. Voilà, on va piquer mes os en passant directement l'aiguille dans ma peau. Il paraît qu'il faut piquer à plusieurs reprises pour obtenir le volume de moelle nécessaire. T'auras pas mal?
Oh, un petit peu quand même. Un peu comme si je m'étais cognée dans un meuble. Mais bon, je devrais retrouver la forme très vite. A priori, je devrais pas avoir besoin d'un congé maladie. Enfin, on verra, hein. Certaines personnes sont plus fatiguées que d'autres après.